Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur FIFA 22. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve donc pour le prochain match à l'extérieur contre le FC Nantes. Normalement, c'est un match qui devrait bien se passer, mais bon, on va voir. Je m'attends à tout. Donc, c'est toujours les titulaires indiscutables. Enfin, non, j'ai mis l'équipe, j'ai fait tourner l'équipe. Donc, les joueurs qui jouent moins. J'ai mis Nuno Tavares à la place de Luan Perez cette fois-ci. Et puis c'est tout au niveau de On l'équipe. s'attend vraiment à un spectacle exceptionnel aujourd'hui, un match que l'on va suivre en direct. Bamba Dieng en pointe à la place de Arkadiusz Milik. Et j'ai mis Vitinha dans les remplaçants. Salut à tous, vous le voyez sur ces premières images, la météo nous gâte aujourd'hui, il fait très très beau pour cette rencontre. Ce match sera présenté et commenté par moi-même. L'immense. Très talentueux. Ta gueule, Matou! Écrit sur la fiche, c'est pas moi qui l'ai écrit. Au programme aujourd'hui, 90 minutes de foot français avec de la Ligue 1 Uber Eats. Toujours la même composition d'équipe. Contre l'Olympique de Marseille. Mais j'espère que le jeu il va me montrer la composition du FC Nantes. Allez, on est toujours premier au classement. Avec l'une des meilleures défenses du championnat, la meilleure attaque du championnat. Ouais, j'ai touché le micro, je suis désolé. La composition du FC Nantes. Voilà, montre-moi ça. Ah, 5-2-3. Utiliser les situations de contre qui sera très dangereuse sur les phases de contre-attaque. D'ailleurs, Nantes qui a remporté et son match contre l'Olympique Lyonnais en Coupe de France aussi. En demi-finale. Du coup, Nantes est en finale. Un superbe but de Ludovic Blas. J'ai vu ça. En technique. Les Lyonnais doivent être au bout de leur vie là. Allez, c'est parti pour ce match. Je vais essayer de commenter en même temps, tranquille comme d'habitude. On va voir si on va mettre une nuque ou si on va prendre une nuque en fait. Local qui devrait se montrer. Alors, normalement, bah, c'est à eux à faire le jeu, hein, vu que ils jouent à domicile. Dans son style, presser haut, récupérer le ballon le plus haut possible, asphyxier l'adversaire. Allez, on fait bien tourner le ballon. Allez, Rongier qui est monté, il a pris la place de Doku. Oh oui, en retrait! Mais le défenseur a bien suivi. Il a dit Ludovic Blas. Alors qu'il s'appelle Ludovic Blas. Il n'a pas respecté. Un centre est contré par le défenseur. Oh! Chercher la faille dans la défense adverse. Ah, ça c'est bien joué, la bonne défense. Allez, par contre, là derrière, c'est n'importe quoi. J'ai voulu le tacler pour récupérer la balle. Mais... Allez, ça c'est récupéré, c'est pour lui. Cette belle occasion, bien joué de sa part. Allez, Vertu qui a failli la perdre. Valentin Rongier. Il faut trouver une option disponible. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Allez, allez, la première frappe de notre part, Bamba Dieng. Et Alban Lafont, j'arrivais pas à dire son nom, qui est dessus. Parce que faut le dire, on lui a un petit peu tiré dessus, il a juste petit fait un pas de côté. Par Lyon, parce qu'il y avait un but là-bas. Ah bah Lyon, justement, oui, j'en parlais tout à l'heure.
Un but attribué à Moussa Dembélé sur une erreur du gardien. Un but à zéro donc, après seulement 9 minutes de jeu, Hervé. Ok, c'est bien noté, merci beaucoup. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Allez, Simon qui a le ballon. Ouais, bien, les enchaînements de passes désormentés, ça joue bien. Il court vite le Simon. Hein. Ça part dans le paquet. Allez, on la récupère. La passe est coupée, bien défendue. Allez, Harit qui passe avec un peu de difficulté. Rongier. Amin Harit. Oh ! Ah non ! Ah, il fallait oser, hein, quand incroyable. Même. Ce tacle dans sa propre surface, c'était dangereux. Allez, on la récupère derrière. Valentin Rongier. Ah, ça peut être. Ah oui, oh là là, quel arrêt, encore une fois, c'est pas croyable. On est pratiquement à bout pourtant. Allez, on la récupère. Ils font n'importe quoi avec le ballon, honnêtement. Valentin Rongier. Ah, il avait tous compris. D'une équipe à l'autre. Et ce ballon est intercepté. Allez, Caboret. Ouf, la balle, elle est un peu trop forte, là. Oh, il arrive. Il arrive à la reprendre. Incroyable. Il n'inquiète pas trop le gardien. Très bonne intervention. Il lui a pris la balle. Amin Harit. Ah oui. Attention, ils peuvent prendre l'avantage. Oh, incroyable. C'est pas possible. Pour le gardien. Et après, j'ai taclé. Pourquoi j'ai taclé? Qui est sorti, ça va être une sortie de but. Ah, c'est un peu compliqué, hein, de derrière là, ils sont tous derrière. Ah, il nous remonte laquelle de frappe là? C'est la première, ouais, c'est la toute première frappe. Et le dégagement de Alban Lafont. Je me demande qu'est-ce qu'il fout à Nantes, ce gardien. La passe est interceptée. Ah, c'est une interception. T'es bloqué, laisse tomber. Ah, parce que tu voulais faire. Allez, Unai qui se retourne, qui se met dans le sens du jeu avec Veretout. Bien au duel. Ah, ils sont très très disciplinés derrière, hein. Y a rien qui passe pour le moment. Heureusement que derrière on est plutôt solide. Enfin, on est plutôt solide. On est. Valentin Rongier. On gagne les duels. Oh. Nous n'irons pas plus loin sur cette action. On s'approche de la zone de vérité. C'est le défenseur hein, qui touche. Allez, le ballon, corner pour les Nantais. Ils essayent mine de rien de porter le danger, mais. Ah bah apparemment il y a l'attaquant qui s'est blessé. Le, je sais pas comment il s'appelle là. Johnson. Je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il va faire? Minder Lachner. Oh, incroyable! L'ouverture du score dans ce match. Je me suis fait bouffer le défenseur. Je sais même pas qui c'est celui-là. C'est qui lui? Enfoiré. On voit ce magnifique enchaînement et une touche de balle. Ça allait très vite. Et une frappe magnifique à la fin, puissante. Ouais, une fois que je m'étais jeté, c'était fini. Les Nantais qui sont devant au score. Allez, leur gardien, il aura fait le match. Et moi, mon gars, il a pas fait de. Ben, il a pas fait d'arrêt, en fait, tout simplement. Valentin Rongier. Vertout. Allez, Rongier qui est passé. Pas de solution. On cherche la brèche en faisant tourner. Ah, on est bien pris derrière. Hein. Ah, il perd ce ballon.
Sébastien Corchia. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Devant, il va pouvoir s'enfoncer. Ça va, bonne défense de Eric Bailly. Bertou. Valentin Rogier. Non, il a compris le défenseur. Mais Doku qui la récupère. Oh le quoi, le mec il a taclé à deux à l'heure, je l'ai vu venir de loin. Il a vraiment beaucoup de mal à mettre le pied sur le ballon. Ça n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste. Elle a l'air de vouloir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire prendre les initiatives. Le jeu il a bugué. Il prend le dessus sur son adversaire. Ah là, on le répand. Tout est à refaire. C'est quoi ce bordel? Le mec il a taclé, il a lâché le ballon alors qu'il était à côté. Et c'est Jenk qui va aller la chercher alors qu'il est plus loin. Regarde-moi ça. Ce ralenti, cette grosse erreur en défense à l'origine du but. Allez, allez, début de match compliqué, allez, mais on revient au score. Alors bon, on va essayer de s'accrocher. Et d'arrêter de faire n'importe quoi aussi avec le ballon, ce serait bien. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. Putain, c'est une blague. Ça c'est un bon ballon récupéré. Allez, Tavares qui la récupère. Vous savez que Bordeaux joue en ce moment et si je ne m'abuse, le score vient de bouger. Oui, 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 il s'agit du premier but pour les Girondins. Allez, Amine Harit qui est passé. Il y a Dieng là, attention juste là. Et le deuxième et but. Oh, il passe devant avec ce but, c'est magnifique. Allez, deux buts, un but à deux. Puisqu'on joue à l'extérieur. Bien placé, il a mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. Bon mouvement devant, c'était bien joué. Un petit but d'avance donc. On va pas se relâcher, moi je te le dis. Vas-y, lâche. Lâche. Ah. Peut-être une bonne opportunité, attention. Viens ici, Simon. Je vais te gifler. Ouais, bien, les enchaînements passent dégourmentés. Ça joue bien. Ah, et je crois qu'il y avait un petit hors-jeu. Pas beaucoup, mais il était hors-jeu, me semble. Elle était pas mal hein, cette passe, mais un peu précipitée. Ouais. Bah en fait, j'avais surtout vu Simon qui était hors-jeu, moi. À tout le monde de se replacer, ce n'était pas le cas. Je crois que le score vient d'évoluer dans le match de Saint-Etienne. Allez, Doku, il est passé. Vous confirmez? Oui, oui, Hervé, c'est le premier but en faveur de Saint-Etienne. Un but. Ah, il faut que je tente quelque chose là. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas fini. Il a frappé. Ils ont raté le chaos. Ils ont raté le chaos avec cette occasion. L'occasion de porter l'avance à deux unités, ça change tout. Hein. Ah, Doku, je l'ai pas beaucoup vu depuis le début du match. Et là, sur une action, il a fait toute la différence rien qu'avec sa vitesse en fait. Allez, on la récup. Allez, Rongier, il est passé. Valentin Rongier. Oh, il a passé son adversaire direct. Ballon. Ah, quel heureux, encore une fois, d'Alban Lafont. Et corner. Allez, l'occasion pour cette équipe, peut-être, d'accentuer son avance. Ouais, bah, il lui a tiré dessus, en fait. Hein. Je me demande même comment ça se fait qu'il n'a pas regardé dans les bras. Penalty. Oh, c'est dégagé, ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. J'ai cru qu'il y avait faute, mais non. C'était limite à mon avis. Attendez, je crois qu'il y a du nouveau du côté de l'équipe de Strasbourg qui joue en ce moment. C'est pas ça que j'ai demandé le jeu, marqué, merci. Je crois. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Strasbourg. Ça fait donc un but partout après 42 minutes de jeu. Merci et merci beaucoup pour ces informations. Ballon perdu. Ah, bien joué Caboret, j'avais vu que la passe elle était un petit peu trop forte. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. La bonne lecture du jeu sur cette interception. Ah, c'est compliqué pour Unai, hein. Bon après son... Comment ça s'appelle? Sa note générale elle est pas ouf. Bertou. Ah, il faut tenter quelque chose. Quelle horreur, encore une fois, c'est pas possible. Il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Ah, j'aurais même dû la remettre à Unai. Là, sur le... Il arrivait à lancer le pauvre. Une minute, c'est le temps additionnel. Allez, la frappe passe. Ouais, c'est incroyable. Valentin Rongier.
Allez, un gros cafouillage dans leur défense là. Allez, on la récupère. Qu'est-ce qu'il fait Tavares? Allez, deux buts. C'est une victoire qui se profile. Deux buts à un. C'était un match très compliqué parce que derrière ils sont tous regroupés. Ils jouent de la même façon en seconde période. Ouais, derrière ils sont tous regroupés. C'est compliqué de trouver des espaces. J'ai même pas regardé les autres scores en fait, tellement que je suis déçu un petit peu de la première mi-temps. Le match. Mais c'est un match serré. Mais je m'inquiète pas, j'ai battu des gros poissons comme Paris. Jean-Charles Castelletto. Ludovic Blin. Hey, Nanté à l'offensive. Oh, ça c'est magnifique ça. Oh, je l'ai vu dedans. Mais qui n'est pas ça, c'était une superbe action ça. Il y a rien à dire. L'IA qui m'a donné une leçon de football. On vient de me dire qu'il y a eu un but au Parc des Princes, on y va? Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour le Paris Saint-Germain. Un but inscrit par Neymar sur un tir dévié. Un but à zéro donc, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Parfait, merci pour ce point rapide. Ah, les mecs, ils montent pas derrière. Unai, il reste trop derrière. Je comprends pas pourquoi. Allez, c'est donné par-dessus. Ah, il est pas hors-jeu. J'ai essayé de le mettre hors-jeu, mais... Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ah, bien défendu, attention, il faut le dégager vite ce ballon. Allez, le ballon qui est dégagé proprement. Vous voyez le rendez-vous hein, qui va vous être proposé, ce match à ne pas manquer. Mais évidemment, c'est une affiche qui promet beaucoup, qu'on a hâte de vous faire vivre. Allez, ça passe. Aminarit. En retrait! Oh là là! Un plongeon exceptionnel! Il fait son match, le Alban Lafont là! Il a besoin de changer quelque chose pour égaliser. Ah ouais, lui il était c'est blessé tout à l'heure, apparemment il va mieux. Allez, au point de pénalty. Oh, il se mélange les pinceaux, j'avais même pas vu que j'avais la balle. Quoi. Comment que c'était le bordel? Traoré. Sébastien Corchia. Et il donne un ballon piqué. Ouais, bonne séquence là. Bonne séquence. Ils y croient, l'égalisation. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Vous avez compris ce qui vient de se passer? Parce que moi j'ai rien compris perso. Allez, on va calmer le jeu là. Parce qu'ils sont surexcités. Ils sont sexuellement excités. Hey Grep, un peu bizarre de jouer comme ça. Les Marseillais à l'attaque. Allez, Unai. Ils remportent son duel. Oh là là, l'occasion. Eh ouais, mais non, mais putain. S'en sortir. Ça me saoule, il n'y a pas de solution, il n'y a que dalle. On s'interrompt un instant pour aller parler d'un but dans le match de Montpellier. Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Montpellier. On en est donc à 2-1 après 57 minutes de jeu. Merci infiniment. Bon, on a gagné le corner. J'ai envie de faire des changements parce que au milieu de terrain, c'est nul. C'est nul. C'est un corner qui ne va rien donner. Ouh là là. Ça, pourquoi il a pas mis défendu la tête là? Pourquoi il a pas attaqué le ballon? Eric Bertrand Bailly. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Il lui redonne. Ah oui, ça s'est bien joué. Oh mais non, intervention du gardien. Toutes ces frappes arrêtées là, c'est incroyable. Vous voyez ce rendez-vous qui nous attend tout à l'heure, ça fait envie, ce sera un vrai bon match qui nous attend dans quelques minutes maintenant. Allez, ils vont jouer. Allez, à la je sais pas qui c'est qui a mis le pied, mais la balle est récupérée. Envoyée en touche. C'est le bordel ce match, j'ai l'impression. Ouais, bien, les enchaînements de passes des joueurs nantais, ça joue bien. Ils ont tous les comptes, là, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dors debout, frère? Ok, si tu veux, moi aussi, je t'aime beaucoup. Allez, on va faire partir Doku, il est passé. Et derrière, il n'y a plus de solution.
Oh oui, bien joué, le triplé peut-être. Et oui. Le triplé, voilà, ça c'est une superbe action. Avec lui. Ah, quand tu as des espaces après derrière, c'est plus facile. Hein. Ah, ils sont solides derrière les Nantais là. Son troisième personnel, peut-être pas le dernier. Très solide derrière. Allez, un triplé de Jeng. Là, sans Jeng, aujourd'hui, c'est très compliqué. Oula, je savais pas que c'était Ronaldinho. Allez, on la récupère. Ce ballon est rendu à l'adversaire. Non, je visais Jeng. Connard de jeu, c'est 2 fois qu'il me fait le coup sur ce match. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, Blanco, s'il te plaît. Merci, Blanco. Un coup de Blanco et c'est fini. Oh là là. Ben Harit, pourquoi tu prends pas le couloir, frère? C'est un peu ton taf là. Hein. Ouais, voilà. Si tu veux, casse-toi là-bas. Je sais pas pourquoi, mais. Valentin Rogier. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, oh, ils avaient suivi, ils avaient suivi. Mais le ballon est perdu. Ouais, dommage. Non, ça dommage, c'est pour, mal dosé la passe. Ça c'est pour Blanco ça. Un petit crochet par Lyon parce qu'il y avait un but là-bas à l'OL Stadium. Oui, deuxième but à l'instant pour Lyon. Donc 2-0 pour l'instant. Et on joue ici depuis exactement 70 minutes, Hervé. Merci pour ces précieuses informations. Bertou. Avec autant de passivité. Ah, ce qui va, oui, voilà. Assez risqué. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. J'ai appuyé sur carré. Oh, je... Dans ma tête, c'est ça. J'ai arrêté de réfléchir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu. Bon allez, on va faire entrer Vitinha. Unai, on va le faire sortir. Que faire, que faire? Ouais, allez, on va faire ça. C'est déjà pas mal. Tion. Allez, on la récupère. Rongier. Valentin Rongier. Ah, il faut lui remettre là. Oh, quel arrêt! Et il n'y a pas faute derrière! Incroyable. Encore une superbe action. Où Jeng se fait sécher. Allez hop! La sortie donc de Jeng, Doku et Unai. Et on a fait rentrer Malinovski à la place d'Unai, Vitinha à la place de Jeng et Malinovski qui va frapper le corner. Ouais, corner bien tiré. Allez, bien frappé là. Mais bon. Corner dégagé par la défense. Valentin Rongier. Amin Harit. Oh, oui, magnifique. Encore un arrêt. C'est incroyable. Magnifique dans les buts. Super arrêt. Ah, il a mis tout le monde dans le vent avec sa fin de frappe et après le gardien qui casse encore les roubignoles pour pas changer. Ah, il est bien parti. Ah, ça c'est bien frappé. Oh, incroyable. Ce n'est pas croyable. Allez, de la tête, Rongier. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. Ah, t'es hors jeu, je crois. Oh, le grand danger. Oh, mais non. Mais il est super dopé, le goal, là. C'est pas possible. À bout portant. Il est dopé, la fond. C'est pas possible. Faut arrêter de me prendre pour un con, là. À bout portant, j'envoie un shoot. Mais qui es-tu? Dégage. Duel pour la récupération du ballon. Ah oui. Faut trouver une option disponible. Non, mais ouais, non, mais non. Mets-toi dans le sens du but. Pas sur le côté, ne t'excentre pas. Roubignol. Ouais, oh, la faute derrière là. L'OM qui va de l'avant, il y a avantage. Ouais, il lui redonne. En position idéale pour centrer. Ah oui. Le centre. Allez, Tavares, il est passé. Ah, derrière, il nous met le pied. Le il revient à la faute, là. Il va lui mettre un carton. Hein.
Le gardien, il m'a cassé les roubignoles. Il arrête tout. Ah, mauvais dégagement. Allez, Balerdi qui la récup. Aminarit. Oh là là, frappe pourrie. Mais bon, c'est pas grave, on a toujours le ballon. Oh mais non, mais il faut arrêter le délire à un moment donné là. Mais alors sans cerveau. Oh, le nombre d'occasions là, c'est incroyable. L'équipe qui dans l'ensemble a dominé son sujet, qui se retrouve devant assez logiquement avec ses... Allez, il va essayer de faire quelque chose avec sa vitesse, non? Il joue en passe. Là par contre, il va accélérer. Il poursuit son action personnelle. Non, pas. Et non, dommage, ça va s'arrêter là. La bonne opportunité pour le FC Nantes peut-être. Oh, quelle défense heureusement. Et il y avait hors-jeu. Une position de hors-jeu dans de justement le buteur contre Lyon. Auteur d'un magnifique but. Ah, il les a roustés. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. La remise directe, c'est bien vu. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Ah, j'essaye de donner de l'accélération, du mouvement au jeu. Mais oula, ah, heureusement qu'on la récupère là. C'est cadeau. Allez, Rongier. Allez, putain, le crochet qui passe pas. Putain. Traoré. Allez, on la récupère. Non, non, on a compris l'intention. Tranquillement. Mais c'est un adversaire qui récupère. Allez, Vitinha, balle au pied. Ah ben il avait tout compris genre. Valentin Rogier. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Est-ce qu'il va y aller? Il va y aller. Ouais, la tentative. Non, ça passera pas. Allez, quand il n'y a pas dégager. Le gardien, il y a un pied. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, dommage. Dommage, mal dosé la passe. Bah, ils ont pas de solution donc du coup bah, ils jouent devant. Binder. C'est pas possible. J'avais équipe. Un mètre d'avance. Il se fait rattraper comme ça, c'est pas croyable. Ah, bouge-toi le cul, Balerdi. Il gagne du terrain. Même dans FIFA, t'es nul. Il faut qu'il centre maintenant. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Le ballon est perdu okay. Pour tout le monde là. Ah, pas faute. Sébastien Corchia. Non, pas de. Oh, pas de bug. C'est incroyable les bugs là. Ouais, il est en train de se faire enfermer là. Ça c'est un bon ballon récupéré. Ouais, ils sont un peu. Oh, attention, ça continue. Mais réveille-toi, Blanco, c'est pas possible. Il n'y a plus qu'un bout d'écart. Oh, cette fin de match va être folle. Ouais, pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt. Qui est pas ah, mal, j'en peux plus. Ça n'a pas assez suivi défensivement. Allez, ah bah c'est fini. L'arbitre qui siffle. Merci mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce match? Une victoire pour l'Olympique de Marseille. Ouais, quelle victoire. Ouais, courte, cette très victoire, compliqué. Mais c'est une victoire. Et ça, 8 vraiment, tentatives, rien qu'à lui il a fait 8 tentatives et il n'y a que 3 buts qui est rentré. Qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été... Attends, on va regarder le tableau. Je m'en fous de ton replay des actions là. C'est incroyable. 21 tirs, va te faire foutre. Voilà. Ça veut tout dire. Putain, c'est pas possible. Combien de frappes? Chance de but, 10,7. Bah ils ont fait 6 tirs quand même, mais bon, attends, c'est quoi ce délire là? On avait la possession, fait. Je sais pas, je. Ouais, bon, c'est surtout la fin, hein, il a fait des arrêts dans tous les sens, hein, il m'a rendu fou ce gardien là. Bref, bon, victoire acquise, compliquée, mais acquise. Bon, allez, on va faire l'interview d'après-match. Merci de vous livrer à la traditionnelle séance de questions d'après-match. Ouais, vas-y, fais péter tes questions. Un triplé, nanana, excellente performance. Par contre, défensivement, c'est pas bon. Nous sommes que côté. Bah, on en est capable après. Est-il outsider, nanana. Il n'y a pas eu photo. Ben oui!
On s'était préparé au pire. Ouais, on va mettre le mérite au vieux joueur. Voilà. Un grand merci à vous. Eh ben. Qu'est-ce qu'il veut, lui? T'as été nul. T'as été nul, Balerdi. Bonjour, coach. J'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté et que vous m'ayez donné du temps de jeu tant que je suis en forme. Ah bah, écoute. Y a pas un clashage là, non? Garde les pieds sur terre, hein, tranquille. Tu joues, ouais, tu joues bien, c'est vite fait, mais voilà. ouais, bon, après, c'est les entraînements. Bon, alors, au classement, bah, Lyon, je pense qu'ils ont encore gagné. Hein, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah, peut-être qu'ils ont fait un match nul, je sais pas, j'ai pas suivi. Mais d'après ce qu'il nous disait, le mec là, dans le casque, il nous disait qu'il y avait une victoire, que l'OM gagnait 2-0 pendant le match, donc je sais pas ce qui s'est passé. Et je m'en fous! Paris, donc 3ème, avec un petit point de retard sur Lyon, qui est toujours Lille 4ème, Rennes 5ème, Monaco 6ème. Il y a que des grosses équipes devant. À part peut-être Saint-Étienne et Bordeaux, ça suit la logique de ce qui s'est passé la saison dernière, en fait, hein. Tout simplement. Voilà, c'est la fin donc de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce match vous aura plu. Il y en aura un dès que j'aurai le temps, en fait, hein, ça sort dès que j'ai le temps, FIFA, donc voilà, je peux pas trop faire autrement. Donc voilà, restez peace, aimez-vous les uns les autres, salut! Ciao et à la prochaine.